Mbote na biso bande kobozola na biso na les avertis nzamba pambola bino aza na bino bisika nyonso bozali bino bozi vraiment libaku ya kolanda biso le temps to sala émission oyo tozali vendredi le 12 mai 2023 na montre na nga eza exactement 18h53 donc awa na Allemagne nzamba zo lukumu pona nyonso aliko sala pona biso pona bino aliko batela biso aliko pambola biso aliko bomba biso na salo boko na ye azaliko pesa biso n'est-ce pas makasi ya ko vivre azako pesa so mayele n'est-ce pas ko tambola azako sunga biso na batatonement biso nzamba azako za na biso Yeshua zo zo control ba vie na biso azo tambwisa biso azo guider biso pona le lendemain meilleur. Je sais que beaucoup au bazar ko na biso na moment oyo beaucoup za la béni puisque je le sens que Yeshua alingi a béni mutu moko. Ya wana kusenga na yo boye. So ki ozwi tan kulanda video ou soit calme, soit posé puisque toko lo makambozo concerne yo. De fois, même lorsque nous prêchons, li boso abatu, e bongi toye ba message nizo pesa mutu sa kulanda yo. Mais je sais, et j'espère que message obo boja titi don, titre nan obo mou na jeza wana, donc to parle sur la patience. Hein? Donc na lingi voma ke message oyo, mutu na mutu azwa par na ye en commençant par moi-même. Na sengi ke kolo atambu sabiso, moumanyo stoko passe, e zala maboko na ye, que le Seigneur puisse mettre sa main sur nous et qu'il puisse réellement nous bénir par rapport à ces messages, qu'il puisse nous assister par son esprit, qu'il puisse parler dans nos cœurs et qu'il puisse réellement exaucer nos prières pendant que nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler et de lui demander. Nous voulons que la paix du Seigneur Yeshua soit notre partage et que ces instants soient réellement les instants que lui seul va conduire au nom de Yeshua. Nous allons ainsi prier. Amen. La patience. Boyebi que patience ezali une vertu. Ezali qualité. Ezali eloko oyo normalement mutako ko boya yango te to mutako ko yina yango te. Ezali eloko oyo soza na kati na yo mutu okoki jamais ko comment on le colle à ma bête, c'est-à-dire patience, et ça vraiment vertu. Et là, quoi, ma longue, na katia bo moya batu. Na katia bo moya nous olandangaï, ma soeur, mon frère, ce qui patience et zali et vandi. Au comment on a que ta vie aura une autre allure, ta vie aura un autre, comment dire, tempo, ta vie aura une autre couleur par rapport à kaka, yanini, ya patience. Puisque la patience, en fait, batuming ba négligeango. Batu ba soka ngon dire ezeloko bon nga na botoma na nga iboye na sala nga patiente na sala nga patiente te ça dit mutu asa ko kanisa ke koloba bongo eza avantage pour naye mais pourtant tout le monde toute personne doit rechercher la patience. C'est très capital bandeko puisque eza biloko musu na katia mokili tozo mona ezo marcher par rapport à la patience na pesa ra toujours exemple ya kotonga ndako bo biso kotonga ndako situba donc immeuble ezalaka souvent durée nango ya kotonga et dependaka na mbongo te me dependaka na température et dependaka na comment dire et dépendant kana na je veux dire température et dépendant à peine à saison et dépendant à peine à temps et puis dans matériel bois lui utiliser soit lui utiliser par exemple béton et c'est un temps moko boy pour béton et comment donc comment sec et va pour na et porter poids d'où et c'est un faux zela à tout dans mbongo belé mais quand tu construis une maison il y a des étapes que tu dois pouvoir attendre. Or le corps humain étant une maison puisque la Bible nous dit que notre corps ou bien notre cœur est l'habitation du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Donc si notre corps est l'habitation du Saint-Esprit, donc nous sous-entendons que notre corps c'est une maison. Pourquoi une maison? Puisqu'une maison a une fondation, une maison a une habitation, une maison a une toiture. Or et pas mutu fondation na ezali makolo, fondation na ezali donc ba pied ou ba jambe na ye et puis habitation na ezali le cœur ou bien le tronc et puis la tête
c'est au fait toiture na ye. C'est-à-dire mutu a composé le kola ndaku. Or ndaku o ezali na fondation a bien te et kozala et ko bouger kozala makasite. C'est pourquoi mutu o makolona ezali a fermité moi tambola bien zate moi ki m'a pem bango zate a kozala mutu a ko dépendre n'est-ce pas na batu pour na ko aider. Donc makola mutu to fondation mutu so ezali en bon état et ko sunga mutu na sala ba mouvement nyo sonenga lingi. Or mouvement ko sala soko tambola ngo sikoyo na bonzambe na patience na batribution nzamba tie na kati na yo tu verras que tu vas mieux marcher au tambola sans pour autant okuya kuya au tambola sans pour autant commettre ba erreur rebelle attention que tu commettre erreur moko lelo lobby ou bien 30 minutes là okozala interpellé par le Saint Esprit au côté ba pour tambola. Alors la qualité ou la patience ça est lokumo très importante au mutnyos tout et bongi n'est-ce pas à aspirer pour na kosala yango mais pour na kozwa yango. Donc awa to mona que du fait ya kozala patient ou bien patience ça définit le kola capacité à mutu azana ngo ya kozela eloko calmement sans stress sans se plaindre sans se poser des questions mais yango ekoko ma colonie. C'est-à-dire la patience vraiment c'est une capacité d'attendre. Mutu aza kozela nde a sa passion. Mutu ali kozela nde a deux fois a kobuka kutelo ko a bien, ça dit va que donc accueillir quelque chose de mieux. Mutu ali ko attendre, il va récolter quelque chose de mieux. La patience c'est donc une qualité ya kozela. Et kozelango sans se plaindre et surtout ce que ça accompagne na ba difficulté. C'est-à-dire, moutons dans ma difficulté, mais je suis là quand même. Ah, je ne pousse ni aux amoisi, aux obotateurs, comme ils posent ma question, ma mille et une question, puisque tu penses que oui, na comme les canaux, na comme tu as mouconi, nous mouzan à patience, ou comme ça la bisala sala, et que nous capé, que même ça peut être na ba organisme na yo, t'as besoin de kobot, t'as moins na mon, t'as boti moins na te, puisque tu es parti trop vite en besogne. Et vous appelez na yo mobali, osa ko luka moussala, osa ko zoate, tozo luka moussala a bien, osa ko zoate, ou comme tellement pressé, puisque la femme qui a la maison peut être prête. À l'ingi à mon résultat à comme que peut exemple au mona kabaninga mususu te au mona ka Jean-Claude te tanenga zalaka ta la voiture à pousaka mon comme que comparer on a batali banda puisque l'ingi n'est-ce pas au atteindre objectif vite puisque à sa patience et yo se pose à patienter au côté na kata joana au commettre pas faute ma erreur exemple ma casse na bible zaka toujours exemple à Job. Même Abraham a mon pas sa job te. Kozanga moi n'est pas cité et sa pas cité. La preuve en est que abota ki ni moi na musu skuto avant azo moi na bilaka sa dit il avait une possibilité bien que c'est pas la possibilité venant de Dieu mais c'est une possibilité et ça là qui ka azo moi na avant même temps na ye. Mais na pas si au job a mona. Et ça va pas au genre ya Yeshua zo loba. Père, est-ce que c'est possible, c'était possible que tu éloignes cette coupe de moi? C'est-à-dire, pas si mon corps est cas, mais que tu ne peux pas faire quelque chose. Ils ont pas tourné dans mon cas, na kati ya image, aux ans na kati ya avion n'est ça la crash, au coco mibi qui s'était, pas si à bongo. Alors, les hommes patients, les femmes patientes sont ceux-là qui, n'est-ce pas, attendent calmement. Calmement. Combien de gens ba kota ba ta ko banganga puisque a komo luka pressé. Combien de gens ba kota na kati ba science occulte puisque linga zo pressé. Combien de gens ba perdent même ma bala ma bota puisque linga zo ka pressé. Oh non, na kutena mutu moko boye, alors ça va faire moko boye, ba faire ngoso ko pesi boye, okozwa boye. Maintenant tu ne sais même pas que ozo pesa mutu moko boye, ba faire moko boye, oza ko maîtriser. Mais puisque tu n'es pas patient, tu n'as même pas le temps, n'est-ce pas, de réfléchir. Souvenez-vous, je venais de dire que mutu azo ko landa ku fondation to fondement makolo. Habitation, ils allient tronc, c'est-à-dire, on s'allie na niveau à poitrine, na yo. Et puis la tête, c'est vraiment une toiture. Là, une maison qui n'a pas la tête, qui n'a pas de tête, on dira de cette maison que c'est une maison donc inachevée.
une maison qui n'a pas comment dire, de fondement, on dira que c'est une maison soit mal construite ou en chantier ou en construction. Ce n'est pas une maison finie. Ndako esili babenga ndako. Donc Job a monaki passi koleka mutu nyonso oyo yebi na vie na yo. Et puis azaki innocent a moni passi sans ko finga nzambe, sans ko sala masumu, sans ko tambola mabe, a moni passi ka puisque azaki malamu liboso nzambe, puisque azaki ko banga nzambe, puisque azaki ko tambola na ko banga nzambe. Mais malgré cela, Job a été patient jusqu'à la fin. Nzambe a eko se lever, n'est-ce pas le dernier pour na ko bikisa Job. La Bible nous explique sur la patience dans le modèle belé. Surtout qu'il y a un proverbe, pensons au proverbe 14, la Bible nous dit qu'un homme patient a beaucoup, n'est-ce pas, de discernement. De discernement. Mais un homme pressé révèle sa folie. Sa folie. C'est-à-dire, imaginez-vous, contraire à patient, Bible le dit, Esali, n'est-ce pas, comment dirais-je, un homme pressé. Or, un homme pressé, il a la folie. Un homme patient, il a la sagesse, le discernement. Le discernement. Tu n'es pas patient envers tes enfants. Tu n'es pas patient envers ta femme. Tu n'es pas patient envers ton mari. Tu n'es pas patient envers tes frères et sœurs. Tu n'es pas patient envers ton chien. Ton chien. Donc ça dit aux hommes mutu, oh ok, patience pour nayo, ils ont le col là, mais toi tu dois bien monter la lingua l'argot mot difficile. Ça dit dans quel dictionnaire nayo, patience c'est alité. De patience c'est alité, le col là arme, oh yo, et qu'au apprendre biso, y a qu'aux alamos bah recul avant y a qu'agir. Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu parles lorsque tu as de la colère? Comment est-ce que tu parles lorsque tu es fâché? Comment est-ce que tu agis lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, a tumbolio, to quelqu'un a fingio, to quelqu'un a koselo makambo? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réagis lorsque ta femme crie sur toi? Comment est-ce que tu réagis lorsque ton mari crie sur toi? Comment est-ce que tu réagis lorsque tes enfants crient sur toi? Comment est-ce que tu réagis lorsque tes parents crient sur toi? Est-ce que vous êtes à l'aise nakati y a pensé que oui peut-être azo crier sur moi puisqu'il est fâché ou bien puisqu'elle est fâchée. Peut-être azo crier pour sur moi puisqu'il n'a pas encore bien compris. Est-ce que tu as la patience, n'est-ce pas, de faire un peu le recul avant d'agir? Le pays ne marche pas, le monde ne fonctionne pas puisque les hommes de ce monde n'ont pas la patience. Comment une personne peut, n'est-ce pas, vouloir tuer une multitude de gens pour avoir le pouvoir, pour avoir le matériel, pour avoir de l'argent, pour avoir, c'est pas, comment dirais-je, pour avoir, n'est-ce pas, la révérence, pour avoir, je ne sais pas, le bien de ce monde. Mazobo Sanake, sa vie, il ne sait même pas combien de temps il reste. Et qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice ce qui batikal na kombo na yo na ndenga mabe le corps tout monde ba kombo ba Hitler comment on a lobby bien que bato ba makasi bato les hommes grands qui ont laissé de grands noms solo ni ba vie na bango ils étaient tellement patients. David dans la brousse, il savait même pas que c'est lui qui serait, n'est-ce pas, choisi parmi les enfants de son père. Et j'espère même lorsqu'il partait, son frère disait que Yoka Kazamba. Mais David a été, n'est-ce pas, ouin, c'est lui qui deviendra plus tard le roi. C'est pour dire que la patience fait en sorte qu'une personne puisse rentrer dans la destinée de Dieu. Tu as un travail qui ne semble pas bien marcher. Au lieu d'attendre un peu, au lieu de vouloir un peu, comment dire, explorer d'autres choses dans ce travail, tu commences à haïr le travail, tu commences, n'est-ce pas, à vouloir changer sans pour autant réfléchir. Lorsque nous parlons comme ça, je me regarde moi-même quelques années avant, 10 ans avant, 15 ans avant, c'est pas même 5 ans avant. Il y avait des choses que je pouvais décider sans pour autant, comment dirais-je, avoir quelques reculs avant de décider par rapport au travail, tout ça.
Et c'est là, grâce, n'est-ce pas, à Dieu, nous sommes sortis de là. Pourquoi? Puisqu'on a compris que le travail, c'est pas seulement l'argent qui compte. Le travail, c'est aussi cette tranquillité que la personne peut avoir. Donc le travail, c'est lorsque tu es aussi épanoui. C'est pas seulement que puisque aux ambonge belé, puisque à force aux ambonge belé, tu auras aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de stress. De stress. La patience nous permet, n'est-ce pas, de faire face devant ma difficulté. Il y a côté qu'à la serein, il y a côté qu'à la réellement focalisé na ozoluka. La patience nous aide, n'est-ce pas, à avancer avec Dieu. La patience nous aide, n'est-ce pas, à vivre une vie, n'est-ce pas, d'harmonie avec ses semblables. Une personne qui est patiente va comprendre l'incompréhension de l'autre qui est devant, bien face de lui. Une personne qui est patiente va nécessairement comprendre les faiblesses de l'autre qui est devant lui. Peut-être que ma façon de parler ne te plaît pas, mais si tu n'es pas patient, tu peux te soigner. Peut-être que ma façon de regarder, ma façon de me coiffer ne te plaît pas, mais si tu n'es pas patient dans tes paroles pour me parler, peut-être que vous allez bien. Peut-être que ma façon de parler, ma façon, n'est-ce pas, d'agir, ce qui yo aux amuto et aux lingakangai, aux anangai ensemble, et que vous allez comprendre que muto, peut-être que l'élo a sa bonne minute, c'est-à-dire la patience nous aide même dans nos relations personnelles, dans nos relations privées, dans nos relations, n'est-ce pas, comment dire, professionnelles, ainsi de suite, puisque la patience vraiment devient en fait une base solide. Base solide. Nous devons, étant d'abord chrétiens ou disciples de Yeshua, nous devions avoir la patience, être patient. Quand on dit être patient, ce n'est pas lorsqu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire être patient lorsqu'il y a de problèmes. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que beaucoup de gens balobaka, moi je suis patient, moi je suis humble, moi je suis, c'est pas, je suis fort, mais comment devant les kambundo yeba, comment devant les kambundo yeba, patience na yo, oh yeba, force na yo, oh yeba, humilité na yo, oh yeba, qu'est-ce que tu es, ça dit c'est ne à ça par rapport, n'est-ce pas, il y a ma kambo ko la biso de ko ko yeba, que oui je suis patient ou je suis pas patient. Donc Romains 12:12, ils ont coulé sur Awa, à peu près le bas que soyez joyeux dans l'espérance, patient dans l'épreuve, joyeux dans l'espérance, patient dans l'épreuve, et aussi persévérant dans la prière. Or, toutes ces choses ici, persévérance, toutes ces choses ici, persévérance, espérance et patience. Leur père ou mère, c'est la patience. Puisque lorsque tu es patient, tu as de l'espoir. Lorsque tu es patient, tu as de la persévérance. Lorsque tu es patient, attends à Zul et l'autre lobby na kuzonangai. C'est ça. C'est ça. Donc, dans la vie, chaque jour, il faut tout mettre dans la question. Des fois, moi, je me pose des questions, des fois. Est-ce que suis-je vraiment quelqu'un de bien devant d'autres, devant, en face de, donc, de mes compatriotes, en face de mes frères, en face de mes soeurs, en face de ma femme, vis-à-vis de mes enfants? Suis-je réellement un bon papa? Suis-je vraiment un bon collègue au travail? Et je me rappelle même aujourd'hui, je pose la question à l'un de mes collègues, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi cette question m'est venue. Natunabi, est-ce que, comment toi tu me trouves par rapport au travail ici? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses que ce n'est pas bien ce que je fais? Il me dit, mais pourquoi? Moi, non, ça m'est venu comme ça. Pourquoi? Parce que des fois, tu dois te poser des questions. Suis-je réellement une bonne personne dans la société? Suis-je vraiment une bonne personne dans la famille? Suis-je vraiment une bonne personne dans le couple, dans la relation, ou bien dans les relations? Oh non, mon ya siliga pan pamba, yango mon tolinga kotumbo la ete. Oh mon yende nga zawana, a tombo kaka soki olobine li kampo. C'est-à-dire, batu basa na image nou na ndengeni na katia famille, na katia libota na ou je veux dire famille, na katia moussala, na katia quartier. Quelle est l'image que les gens ont de toi? Et si tu as la patience, bien aimé,
tu verras que ta vie aura une couleur, vraiment une couleur. Et cette couleur sera tellement agréable que beaucoup de gens, bah, comme on a que tu es une personne bien. Et ce n'est pas ça qui compte, puisque les gens voient que tu es bien, mais c'est ce que tu es. Si tu es bien envers toi-même, si tu es bien envers Dieu, si tu es bien envers des gens, et que les gens confirment cela, ça ne peut que te donner la joie de vivre. Beaucoup de gens se fatiguent de la vie lorsque tout le monde commence à avoir ses mauvaises habitudes. Au commis, moté mamabe, puisque aux gens qui patience. Ok, qu'on bat l'ambangu mbangu, aux yeux, il bat mbangu, après, il bat les simbite, au lieu de la balle, il moussous mbangu mbangu, et simbite, après un jour, mi bat les bakomis que boy a pas vu que non, mais yé pas bala mingi. Basse pas comme que banon, mais yé bala, combien de fois on a bala la vie, on a 4 fois. Mais non, c'est pas normal. On a bota, bana 8, nabasi 4, nabota bana 8, nabasi 3, c'est pas normal. Si c'était des erreurs de la vie passée, je peux rien dire. Mais ce qui osa au 40 minutes, au salon de baereur, on a été. Mais bongi ça, les lots frères, sœurs, bongi ça. Donc, ce qui m'a patient, c'est qu'à l'ingi penzambe. Puisque, ils appellent l'un, n'est-ce pas, à. Bah, caractère en Zambé. Dieu est amour. Oh, l'amour patiente. L'amour est patient. L'amour ne se précipite pas. Donc, on voit ici que si tu as la patience, tu vas développer de l'amour envers d'autres gens. Nakati Yavinayo, mon frère, ma soeur. Tout en dans 1 Corinthiens 13:4, tout le monde a dit Paul a dit que l'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Celui qui est patient de foi, tu développes ma ramusson à quatre vies na yo aux aigles dans les bosotés de Kolangaï. Donc patience est une vertu vraiment essentielle pour un disciple ya Yeshua, pour ne pas dire pour un chrétien. Si tu n'es pas patient dans ta vie, recherche la patience, cherche au fait que fruit oyo e kota na katia bo moina yo. Cherche en sorte que et loko oyo e bimana katia bo moina, c'est-à-dire e vanda na katia motema na yo et se manifester na bizale na yo. Parce que sans la patience, tu peux pas, au fait, tu ne peux pas arriver place nza malingo koma. Et même lorsque nous attendons la venue il y a Yeshua, nous sommes patients. Pourquoi? Puisque les gens te diront que mais ça fait longtemps que Jésus revient bientôt, il ne vient pas. Toi, sois patient et la persévérance que oui, tout ce qu'il a dit, il a fait. Donc ça aussi, il va le faire. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça se passera demain ou après 10 ans ou après 20 ans. Mais ce qui est important, je reste donc droit dans mes bottes devant le Seigneur. Je les sers de tout mon cœur. Je ne veux pas, au fait, faire entrer la philosophie de Katia Bomo Inangaï, bien que Naé Biango, na kota la science na Bomo Inangaï, bien que Naé Biango, na kota d'abord Yeshua na Katia Bomo Inangaï. Si la vie de Jésus, la vie de Yeshua, prend mon cœur, prend toute ma vie, même tout ce que je vais faire, la science, la philosophie, na c'est pas l'anthropologie, tout ça, et vous avez la connotation par rapport à Mout, à la patience na Bomo Inangaï. Même si tu es chercheur, il y a des chercheurs qui font des années pour qu'on ait un résultat. Pourquoi? Ils sont patients. Nous devrions appliquer, n'est-ce pas, la patience dans nos vies. Nous avons lu quelques versets pour qu'on puisse abîmer ma casse, n'est-ce pas, qu'on puisse abîmer aussi, comment dire, qu'on encourage Bissot, quand il y a vertu ou tout bien patience. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jacques 3, et l'obi, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Ça dit la patience, c'est l'épreuve de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir de la patience. Tu ne peux pas avoir la patience. Pourquoi? Celui-là qui est patient,
ou celle-là qui est patiente, c'est celle-là qui a aussi la foi. La foi en qui? En Yeshua. En Yeshua. Pour conclure, Natanga, passage à Souka, Romains chapitre 5, verset 3 à 4. Natanga, place à tout aussi sa place, voilà. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, celui qui espère est patient. Que Yeshua vous bénisse. À la prochaine.